Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 1er avril 2024, c'est parti pour une vidéo à action de Brie contre Aubert. Un petit cadre photo avec Rome, Madrid et Paris. C'est des cadres qui font 20 sur 20, 99 centimes. Il y a ceux-là aussi qui sont pas mal. Alors, chez Action, je répète à chaque fois, je trouve ça super parce qu'on va trouver toutes sortes de cadres. Il y en a pour tout le monde. Il y a du bois, du plastique, il y a du doré, de l'argenté. Il y en a avec des jolis posters à l'intérieur. Après, si on n'aime pas, évidemment, on peut les changer. Vous voyez, par exemple, on a celui-là avec le contour bois et blanc. On a le beige comme ça, enfin, surtout que cette couleur là c'est très tendance en ce moment, on a tout ce qui va avec, les housses de coussin, les plaids, on a aussi des cadres comme ça, les passe-partout à 3,49€. Alors pareil, le feuillage est très tendance en ce moment, on a ceux là, les cadres photo Eva à 3,99€, on a les tout simples, si vous préférez noir. Après pareil, le poster on garde ou on ne garde pas, ça dépend de la déco qu'on va y mettre. On a la tour Eiffel 1,29€. Moi je sais que dans ma chambre je me suis fait une jolie déco avec des cadres. Moi j'ai tourné autour du noir et blanc. Et j'ai pu avoir une chambre décorée à petit prix dans la thématique que je voulais. Vous voyez, on a du doré aussi. On a ceux-là, blanc avec du gris comme ça, 2,49€. Alors, moi les tableaux que j'ai pris, c'est ceux avec des petits messages dessus. Et d'ailleurs, le dernier que j'ai pris, c'était la semaine dernière, j'ai pris celui-là, le coffee, je l'ai mis à côté de mon petit coin café. Ça faisait un petit moment, je vous disais, je cherchais une petite déco. Alors à la base, je cherchais un tableau qui s'allumait ou un tableau un peu vintage. Et puis quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, bah non, c'est vraiment celui qu'il me faut. 3,49€. Fais un petit tour dans le rayon voiture, on va aller voir un petit peu les accessoires. Pour ajouter un petit peu dans la voiture, on a ça, c'est un pour mettre pour mettre au niveau de son pare-soleil, hop, on va venir l'attacher avec les élastiques là, et puis comme ça dedans on peut venir y mettre des papiers. Je me demande, non, je regardais si on pouvait mettre sa paire de lunettes de soleil, non je vois pas. Après, on a aussi le tapis antidérapant, 1,39€. On a aussi les petits cendriers de voiture avec lampe LED à l'intérieur, 1,49€. Moi, j'en ai un dedans. Alors, par contre, j'ai plus la... Comment dire ? J'ai plus le bouchon. Je sais pas, je crois qu'il s'est cassé ou je sais pas ce qui s'est passé. J'y mets dedans. Enfin, je l'utilise comme vide-poche plutôt. 2,49€. Et pas comme cendrier. Le kit répare dommage pour vitres de voiture. Donc si vous avez un petit impact, 3,99€. Donc dedans, il y a un kit. Hop, brièvement, comment ça s'utilise. On va tourner. Donc c'est pour tout ça. Ils ont remis les pots à provision verts avec le couvercle en acacia, 2,79€. 1 litre 2. Alors ce que j'aime bien en ce moment aussi, c'est ça. Hop, je trouve ça trop sympa. Alors surtout ce modèle-là. Il y a le modèle rainuré, mais moi j'aime bien celui-là. Les petits gobelets en verre avec le bouchon en acacia et la paille. On a des pailles réutilisables, 79 centimes. Avec la petite brosse pour les nettoyer. On a plusieurs couleurs. On a du rose, du bleu, du vert et du transparent. Puis on a des nouveaux couteaux de luxe, 6,95€. On a le couteau de chef, le couteau pour le pain, le petit couteau aztèque, le couteau universel. Avec le manche comme ça, 6,95€. Alors la gamme là, on l'a vu, je crois que c'est la semaine dernière, elle n'est pas restée longtemps en rayon, c'est une gamme qui plaît beaucoup. C'est une gamme en verre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de loin on pourrait penser que c'est du marbre ou plastique, c'est du verre. Donc les distributeurs de savon sont 1,62€, ils existent en gris, en blanc et en noir. Et on a les gobelets
à 1,29€, pareil, un blanc, gris et noir. Et alors, si on préfère le plastique, on a ce petit kit hein, qui est pas mal. Il me semble que c'est pas une nouveauté, on a eu un peu ce style là. Donc il y a le distributeur, le petit porte-savon et le gobelet pour 1,99€. Donc on les a en gris ou en blanc. Ça me parle parce que moi je me souviens que j'en avais pris un noir, il me semble. Ils ont mis les pelles à gâteau, hein. Le set de pelles à gâteau en doré. Je sais que vous êtes beaucoup à rechercher en doré. Le gris est resté en rayon, mais le doré, je sais qu'il est, il est recherché. 2,29€. Tiens, on a un nouveau mixeur de la marque Tomado à 16,49€. 1,5 litre, 2 vitesses, 500 watts. Ah, c'est ça que je cherchais. Le bol mixeur, il est en plastique. Il reste encore cette étagère à trois niveaux. Hein. C'est les blanches avec le contour doré. Hop, c'est vert. Voilà. 4,95€. Ce genre d'assiette, donc ils disent que c'est une assiette à pizza, mais c'est super pratique. Moi, j'ai le modèle transparent et j'y mets dedans quand je fais des tartes, des gâteaux. Ça me sert beaucoup. La taille est vraiment très bien. 2,99€. Ouais, pas mal, veilleuse avec capteur. 4,99€. Alors ça, c'est de la multiprise. 12,95€. Il y a combien? Donc 1,5 m, c'est le câble. Il y a deux prises USB. Et il y a 8 prises avec le bouton pour allumer et éteindre. 12,95€. Ça y est, la saison plage est ouverte. Et je vois ces grandes serviettes. Elles sont à 9,99€. Moi, j'en ai acheté une il y a 3 ou 4 ans. Je vous l'ai partagé plusieurs fois hein, quand je vous ai partagé des photos de la plage. Je trouve vraiment ça génial parce que déjà, ça prend pas beaucoup de place. On peut se mettre à plusieurs dessus. Moi, des fois, bon, voilà, c'est pour s'allonger sur la plage. Des fois, je l'utilise aussi comme nappe un peu pour pique-niquer, pour manger sur la plage ou autre. Et tout au début, quand moi je l'avais acheté, j'avais utilisé pour toute autre chose. C'était en jeté de lit. J'en ai pris, moi la mienne, elle est blanche avec des dessins bleus. Il y a celle-ci, c'est une nouveauté avec tout ce qui est feuillage vert là. Je dirais même sauvage. Donc 2 mètres sur 2 mètres 20, je vous ai dit, hein, c'est vraiment grand. Donc il y a blanche avec le feuillage là. On a celle-ci avec le dessin mandala. On a l'éléphant. L'éléphant. Le mandala. Oh, il y a celle-ci. La nouveauté de cette année. C'est celle-ci. 9,99€. Les tentes pop-up pavillon 3 mètres sur 3 mètres. 69,95€. Et aussi à la tente de réception qui est à 79,95€. Elle fait 3 mètres sur 6. Ça, c'est bien quand on fait une petite fête pour être abrité. C'est vraiment pas mal. 79,95€. Les petits balais à main là. Ils mettent quoi? Balai de tente ou balai à main? 1,99€. Encore une nouveauté hein, côté animaux avec ce jouet. Pour chien solide, 1,98€. On a aussi plusieurs couleurs. Hop, et on a aussi d'autres formes. Les pantalons relax, 6,99€. On a celui-là avec les petites fleurs, avec le feuillage. Alors j'en ai vu un autre avec les rayures. Ah, le retour aussi de ces robes ceinture avec fente sur les côtés, très simple hein. 5,99€, on a du SOXL, on a aussi la bleue. Homme pantoufle confort, 6,99€. Il y a noir ou marron avec les deux boucles. C'est vrai que ça a l'air très confortable. Ça va du 41 au 45. On a des polos 6,99€, du M au double XL. On a celui-là qui est sympa avec les feuillages là. On a le blanc avec les petits motifs blancs. Le bleu avec les motifs blancs. Aussi des t-shirts. 3,99€, du M au double XL.
On a le vert. Les shorts du 2 ans au 8-10 ans. 5,99. Oh, j'aime bien ceux-là, les style cargo là. 3,99 du pareil 98 ou 1m40. Donc il y a du bleu. Il y a du gris. Oh bah tiens, le vert. Voilà, comme ça on va pouvoir voir comment il est. Et c'est sympa, hein, pour 3,99 c'est vraiment intéressant. En ce moment, dans les vêtements, la petite star qu'on voit un peu partout, c'est Sonic. Il y a eu plein, pas mal d'enseignes, hein, des vêtements Sonic. Là, on a le pyjama là, avec le pyja short à 4,99. Au niveau des tailles, on va avoir du 92 au 128, ça doit être du 2 ou 8 ans. Après, vous avez aussi Mickey, vous avez Spider-Man, mais voilà, je voulais faire un petit zoom là sur le Sonic. On a des petits Lego Disney avec la Reine des Neiges. 7,95€. On a la figurine de Spidey et ses amis. Je vais regarder, il y a qui derrière. C'est 8,95€. La Miles Morales. Bon, il doit y avoir d'autres personnages, mais ils sont un peu hauts. Oh, c'est génial, le dé en mousse comme ça. 2,59€. Le jouet d'extérieur, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, ils ont beaucoup de choix chez Action, pareil, à petit prix. On a l'entraîneur de tennis, 2,99€. Donc pour voir jouer au tennis quand on est tout seul en fait. Donc il y a 9 mètres de corde. Blush poudre. Pichy chic. 1,19€. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cela. Donc il y a plusieurs, évidemment, regardez bien la teinte qui vous correspond. La petite nouveauté aussi, c'est ça, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, le fond de teint Nivea Cellular. Il y a plusieurs variétés, hein, donc moi j'ai vu deux. J'ai vu le 1 et le 2 la dernière fois. Donc, avec la petite éponge là. On termine par des madeleines. Maintenant on peut trouver, à condition que je ne fasse pas tomber, des madeleines Saint-Michel. De toute façon, c'est pas grave, puisque je vais partir avec un paquet comme ça. J'avais envie de madeleines, j'aime beaucoup les madeleines. 1,79€. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau du prix par rapport aux autres enseignes. Vous allez me le dire en commentaire si vous avez l'habitude d'acheter ces madeleines-là. Donc, de la marque Saint-Michel. Et c'est des madeleines emballées individuellement. Il y en a 10. 1,79€. Alors, j'ai déjà goûté aussi celle-ci. Je suis moins fan, c'est 1,29€. Et par contre, de cette marque-là, j'ai goûté les petites madeleines coquilles. Par contre, je préfère. Voilà, plein de gros bisous à vous. Je vous dis à plus tard.